fourchette, il nous faudra du blanc de poulet par rapport aux personnes de la famille. J'ai pris des oignons, bien sûr les bâtons de brochette, un peu de citron. J'ai ces deux épices là que j'utilise toujours dans les brochettes, donc des légumineuses et épices à volaille. J'ajoute un peu de sauce et il me faudra bien sûr de la coriandre. Donc premier temps, on va prendre épices à poulet, un tout petit peu de sel, de l'huile, je vais mettre un tout petit peu de sauce, et de la coriandre. Je vais mélanger le tout. On va laisser le tout mariner. Donc on pose ça de côté. Et voilà pour les brochettes. De nos brochettes. Donc nos brochettes, ils sont là, je les ai filmées et je les laisse reposer, mariner tranquillement. Pour cette recette, je vais l'accompagner avec des potato toast que fait maison. Donc les pommes de terre, elles ont été lavées, séchées et coupées comme ceci. J'ai ajouté un demi-oignon, comme vous le voyez, il n'y a qu'un demi-oignon, et voilà. Pour les épices, je vais utiliser ces épices là, mélange de légumineuses. Je vais en mettre un peu. Je vais ajouter l'épice à volaille, je vais ajouter une pointe de colorant alimentaire, je vais ajouter du sel, et je vais ajouter du ketchup. De l'huile de tournesol, c'est au choix, un peu de poivre,
et je vais ajouter un peu de persil. Comme ceci. On mélange le tout et je reviens. Voilà, une fois notre mélange fait, il faut que toutes les pommes de terre soient couvertes des épices, le ketchup, le sel, tout doit être bien mélangé. On va laisser mariner pendant une demi-heure et ensuite on les fait cuire à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc moi, pour ma part, c'est une cocotte qui se ferme, de préférence qui se ferme. Comme ça, les pommes de terre ont temps de cuire. Ensuite, on va découvrir pour que ça dore. Et on verra le résultat une fois tout cuit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réaliser la préparation du boulek. Donc, moi, je vais les faire à la viande hachée et aux olives. Pour cette recette, il nous faudra un oignon râpé, une tomate concassée, de la coriandre, des olives et de la viande hachée, du sel, du cumin, du curcuma et des épices. Donc, en premier temps, on va mettre les oignons. Un rissolé. Nos oignons rissolés, on ajoute la tomate. Comme ceci. On va y ajouter un peu de sel. Pas beaucoup parce que les olives sont salées. Du cumin. Du curcuma et le mélange de cette épice. On va y ajouter les olives. On va y ajouter un peu de coriandre et on réserve le reste. À ce moment-là, on ajoute la viande hachée. Et voilà, une fois notre viande hachée cuite, on ajoute le reste de la coriandre. Comme ceci, et on réserve jusqu'à total refroidissement pour remplir nos boulecs. La part se prête. Comme vous le voyez, totalement refroidi. J'ai pris des feuilles de brique en monde que j'ai coupées en deux, comme ceci. Je la plie en deux. Je prends une quantité de farce. Je plie.
je fais rentrer ce qui reste à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà nos briques une fois façonnées. Donc pour ma part, je vais les conserver au frigo. Jusqu'au moment de frire. Et on peut les conserver pendant 2 jours.